aujourd'hui, la ligne DS de Citroën est devenue une marque. Elle s'incarne dans Nouvelle DS5. On a pu faire cela grâce au succès de DS3, DS4, DS5 à travers le monde, avec plus de 550 000 voitures vendues, plus de 300 000 nouveaux clients conquis. Et c'est sur ce socle extrêmement solide que nous appuyons aujourd'hui pour lancer la marque DS. La marque DS, c'est une histoire de croissance. Nous allons doubler notre gamme de produits d'ici 2020. Nous allons le faire en nous positionnant sur des segments qui sont des segments en croissance, des segments en croissance partout dans le monde avec des voitures mondiales. Évidemment, vous pouvez imaginer des segments SUV, des berlines racées, des voitures qui font rêver. Notre ambition, c'est de faire de la marque DS à l'horizon de 2020 une marque qui soit mondialement reconnue pour sa capacité à incarner les savoir-faire du luxe à la française dans l'automobile. Et ça, dans des produits exceptionnels avec des services, une qualité de service, elle aussi exceptionnelle. Vous voyez, on a mis la barre très haut. Cette semaine, la marque DS s'installe aux Tuileries, au cœur du Louvre. Il y a un lien exceptionnel entre DS et Paris. La DS d'origine est la seule voiture qui a été fabriquée dans Paris Intramuros, quai de Javel. Et donc, trois temps forts cette semaine ici aux Tuileries. D'abord, nous recevons nos réseaux du monde entier. C'est la première fois depuis la création de la marque DS. Ce sont presque 3000 personnes qui vont défiler ici toute la semaine pour échanger sur la stratégie de la marque, nos plans futurs, nos futurs produits. Ensuite, c'est bien sûr l'occasion de célébrer le lancement de nouvelle DS5 qui incarne pleinement la marque DS avec la nouvelle face avant qui porte le logo DS fièrement au milieu de sa calandre avec de nouvelles motorisations, de la nouvelle technologie avec beaucoup de connectivité. Et puis le troisième événement, ce sera à la fin de la semaine un rassemblement exceptionnel pour fêter les 60 ans de la DS classique. Ce seront 700 DS qui vont descendre les Champs-Élysées, se rassembler sur la place de la Concorde à deux pas d'ici. Nous accueillerons le public samedi toute la journée et dimanche à partir de midi pour partager avec eux ce qui fait DS. C'est une exposition exceptionnelle à plusieurs titres. J'en mentionnerai deux. D'abord, nous exposons beaucoup de choses totalement inédites. Nous avons des dessins de la DS d'origine, de la main de Bertoni lui-même, le créateur de la DS. Des dessins qui n'ont jamais été présentés au public, que nous avons ressortis de nos archives. Nous en sommes très très fiers. Et puis, c'est une exposition qui est connectée à l'image de la marque DS. Et donc, quand vous visitez cette exposition, eh bien, on vous remet un petit bracelet connecté. Et avec ce bracelet, vous pouvez emporter un souvenir digital de tout ce que vous aimez, de tout ce que vous aurez aimé trouver dans cette exposition. Vous voyez, vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel.